Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le quatrième épisode de notre Let's Play sur Metroid Dread. Et donc la dernière fois, nous avions récupéré le rayon de charge, une nouvelle amélioration qui, comme dans Metroid Fusion et dans les précédents Metroid, nous permet de charger un rayon, ce qui est assez pratique pour continuer d'avancer. Notre objectif est donc d'explorer un petit peu cette planète et surtout d'essayer de vaincre les ennemis qui ont été piratés, probablement par l'ennemi qu'on a croisé au tout début. En tout cas, les ennemis sont très dangereux et ils nous attaquent à chaque fois qu'ils nous voient. Pour les attaquer et pour les tuer, il nous faut donc la charge mentionnée par l'ordinateur de bord et qu'on a déjà récupérée pour vaincre le tout premier ennemi, celui qui était tout détruit là. Sauf que là, cette fois, les ennemis qu'on a là sont plus dangereux. Et on en a déjà fait les frais en les voyant. Donc il faut faire extrêmement gaffe à ce genre d'ennemis. Et donc voilà ce que nous cherchons. Justement, il va falloir se débarrasser de ce truc. Voilà. Il a rendu l'âme. Et donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir vaincre les loups. Arachnoément obtenu, et donc chaque ennemi vaincu nous apporte une amélioration. Et en l'occurrence, ici c'est l'arachno aimant qui va nous permettre de nous accrocher aux parois bleues qu'on a déjà croisées plusieurs fois depuis le début. Et bien maintenant, on va pouvoir s'accrocher dessus et nous permettre de davantage explorer la planète ZDR. Mais évidemment, cet ennemi là était beaucoup plus gentil, était très gentil, pardon, comparé à ceux qu'on affrontera maintenant. C'était un petit peu le tutoriel, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Les ennemis suivants seront plus dangereux. Voilà, il faut le garder en tête. Mais ils seront à vaincre de la même manière, bien sûr.
ça par contre, ça veut dire qu'il y a un boss. Mais un boss qui n'a rien à voir avec les ennemis pour le coup. Est-ce qu'il a enfin eu son compte? Nouvelle amélioration, à savoir le camouflage spectral. Le camouflage spectral qui nous permet de faire exactement comme il faisait juste avant, c'est-à-dire de disparaître temporairement, ce qui va nous être très pratique, notamment contre les ennemis, puisque ça nous rendra également invisibles des ennemis si jamais on les croise. Donc voilà, c'est ce que ça explique. Par contre, la seule chose, c'est que ça consomme de la jauge d'Aion. Donc la jauge jaune qu'on voit en haut à gauche. Donc il faut faire très attention à ça. Parce que si jamais on s'en sert sans jauge d'Aion, ça prendra sur nos points de vie. Donc il ne faut surtout pas en abuser. Il faut utiliser ça méthodiquement, si j'ose dire. Ça permet également de passer discrètement vers certaines portes, comme celle-ci, sinon elles se referment sur nous. Thank you.
d'atteindre la prochaine unité de sauvegarde. Et on va prendre l'ascenseur pour aller vers Qataris, vers une nouvelle petite zone. Ah oui, yes. Et l'ordinateur de bord va nous parler avant. L'ADR semble fonctionner grâce à l'énergie thermique. Le magma est pompé de l'intérieur de la planète et acheminé depuis ici. J'ai localisé le système de contrôle central d'acheminement du magma. Il se trouve ici, à Qataris. Samus, ta combinaison actuelle ne peut pas te protéger dans ton exploration de Qataris. Elle ne résistera pas à la chaleur extrême de la lave. Tu dois absolument éviter les zones de haute température. Il semblerait qu'il y ait une navette quelque part au-dessus d'ici. Utilise-la pour avancer. Il y a un autre sujet à aborder. Ta nouvelle compétence, le camouflage spectral. Le camouflage spectral empêche les ennemis de te détecter. Jusqu'à présent, tu ne pouvais que fuir. Désormais, tu peux aussi les contourner. Sers-toi de cette nouvelle option pour atteindre ton objectif. Sache que le camouflage spectral réduit grandement ta mobilité. Et un contact direct avec un ennemi finira toujours par ta capture. Évalue au mieux tes possibilités et reste à l'affût de ce qui t'entoure. Le camouflage spectral est inutile une fois qu'un ennemi t'a repéré. Tu dois échapper à la capture jusqu'à ce qu'il arrête de te poursuivre. Le camouflage spectral peut rester actif une fois ton haillon épuisé. Il consommera alors ton énergie vitale. Ceci doit être un dernier recours. Sache qu'il ne peut pas réduire ton énergie à néant, donc une utilisation judicieuse de cette technique augmentera tes chances de survie. Donc il a dit exactement ce que j'ai dit avant. Enfin bref, voilà, il nous a un petit peu expliqué et fait un petit résumé de tout ça. On va s'arrêter là pour cette vidéo, du coup, et la prochaine fois, on continuera l'exploration de notre jeu, évidemment. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.